Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Cinéfeuse et donc la suite de notre film, de notre, comment on peut dire ça, notre retour, débat, rétrospective. Notre rétrospective Del Toro, Guillermo Del Toro, pas Benicio Del Toro. On la fera sûrement plus tard, une belle rétrospective où on parlera de tous ces beaux films qu'il a fait, etc. Salut à tous. Oui, salut à tous. Coucou. Comment vous allez bien? Alors j'espère que vous avez bien aimé et que vous êtes bien endormi devant la première partie. Voilà, c'est donc ça. Là, la deuxième partie, on va arriver avec des films, à des grands films encore. Hein. Là, on a plus pas mal, on a quand même des gros morceaux. Ouais. Donc, on va commencer avec Hellboy. On s'était arrêté avec Hellboy, donc... Blade 2. Blade 2, et donc il décide de faire Hellboy. Mm. Qui était son projet rêvé quand même à l'époque. Oui, il en parlait de long et en large dans ouais. Les bonus de Blade 2 déjà. Oui, c'est ça. Donc là, on est d'accord, c'est pas une commande. Non, là c'est vraiment son film fétiche. Hein. Enfin, c'est vraiment le film qu'il voulait faire à l'époque, qu'il rêvait de faire, c'était l'adaptation de comics. En plus, on commençait vraiment à rentrer dans l'ère des films de super-héros. Ça montait de plus en plus. Il faut savoir, à l'époque, avant que Del Toro arrive sur le projet, parce que ça s'est bien compliqué, les producteurs qui voulaient faire le film et Del Toro voulait le faire. Au début, apparemment, les producteurs voulaient faire le film avec Vin Diesel. Ouais, et il a rencontré Vin Diesel. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était que Vin Diesel se transforme par moment, mais c'est comme ça. Un Hulk. Bah oui, parce que Vin Diesel pouvait pas avoir un maquillage. Parce qu'il pouvait pas avoir le maquillage. Voilà. Il fallait quand même vendre Vin Diesel. Non, et c'est surtout qu'ils avaient du mal à accepter le fait que tu passes deux heures avec un démon, quoi. Ouais. Oui. Voilà. Et oui, en plus, t'avais cette idée qu'il se transforme. Et il a rencontré quand même Vin Diesel, mais genre, et du coup, il a un peu mis du temps quand même à arriver à faire ce qu'il voulait, parce que quand même la grosse prouesse de ce film, c'est quand même d'avoir réussi à mettre Ron Perlman dans le rôle de personnage principal. Mm-hmm. Parce que il était pas bankable. Quoi. Il n'a jamais été, mais il est toujours pas. Hein, il a jamais été bankable. Et c'est pas un mec ultra connu. Et faire reposer une grosse production là-dessus, c'est quasiment du suicide pour pas mal de gens. À l'époque, c'était... Même si tout le monde le voulait dans ce rôle, parce qu'il était parfait dans ce rôle. Je crois qu'il a coûté 60 millions de dollars à l'époque, le film. Ouais, bah ça reste quand même pas mal. Mais Del Toro a toujours dit... qu'il aurait pu le faire avec plus. Non, il a dit, moi je peux vous le faire, si vous me donnez ça, je peux vous faire un putain de film. Il a dit, certains mecs, vous le ferez pour 150, il dit, moi je peux vous le faire pour 60. Je pense que le but était vraiment de mettre Ron Perlman. Il avait un... Je crois qu'il était... même plus capable de sacrifier ce qu'il a fait, à mon avis. Il a dû se baisser parce que... Il s'est baissé sur un truc qui est l'introduction du personnage de l'agent. De Myers, qui est un personnage qui n'existe pas dans la BD. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut représenter un peu Hellboy comme ça, quand même, pour... et Mike Mignola aussi. Je connais pas plus Mike Mignola que ça. Personnellement, je veux dire, parce qu'il a écrit, tu vois... Ou Fabien alors. Non, mais il a fait donc toutes les bandes dessinées d'Hellboy, c'est lui le dessinateur et scénariste. Mmh. Des bandes dessinées ont un visuel, alors moi je vous invite à les lire parce qu'elles sont merveilleuses, mais vraiment merveilleuses, très obscures, visuel quasi monochrome, hein, tu as des notes de couleur de temps en temps quand même. Et en fait, tu pars vraiment dans du mysticisme pur. Mmh. C'est que c'est tout le temps des missions, c'est toujours des missions où tu as Hellboy qui part en vadrouille, voilà, et rarement d'ailleurs avec des collègues, hein. C'est pas comme dans le film où il a toute une équipe et tout ça, il est souvent seul, tu as le Rasputin là, du 1, le méchant, qui reste le gros méchant du bouquin, donc finalement Rasputin il l'a mis directement dans le premier film, ce qui est assez impressionnant. Ouais. Et voilà, donc il a continué, Mike Mignola, à étoffer son univers avec le BPRD. Oui, qui a une série à elle tout seul. Voilà, exactement. Donc voilà, moi je me suis arrêté à ça, je ne sais pas si vous connaissez d'autres choses. Oui, quelques petits trucs alternatifs. Ouais, il avait fait la fameuse couverture de la BD de Batman, Death in the Family, où tu vois le fameux Robin qui se craquait. Et il avait fait, il a fait plein de trucs, il a bossé sur du Batman et tout, mais il avait fait aussi une adaptation... Il avait fait une adaptation d'Alien 3, je crois, en BD. Il avait fait un Alien en BD qui était, pareil, très très stylisé, tout ça. Il avait fait l'adaptation du Dracula de Coppola en BD. Oui. Et pour le coup, elle est meilleure que le film.
ouais. encore meilleure que le film. Mais même. Ouais. Ah bon ouais. T'aimes pas le film toi? J'adore le. Aussi, j'aime. Okay. Mais elle est encore meilleure que le film. Mais visuellement, il a beaucoup, beaucoup marqué son époque, ce mec. Déjà, Del Toro s'en inspirait, déjà pour faire Blade 2, etc. Enfin, s'inspirait de son style particulier, parce qu'il a un côté avec le côté clair-obscur. Enfin, mm-hmm. des ombres, des noirs très, très noirs, etc. Del Toro dit que Mignola a un style très fouillé malgré l'aspect très simpliste. C'est faussement simpliste, ouais. en fait. Et il a inspiré pas que Del Toro, il a inspiré Batman, la série animée. Hein. Bruce Timm a toujours dit que ah ouais il y avait que Mignola était une des leurs grosses inspirations. Et aussi oui, le carré, tout ouais, ça. Ouais, et aussi le film Atlantis. Hein, oui, oui, c'est vrai. Le Disney. Bah, tout, ouais. Où là carrément Mignola a participé d'ailleurs je crois comme Mignola pardon. Mignola ouais c'est pas étonnant ouais dans les motifs sur les pierres et Batman ça, la série animée je pense que c'est aussi vachement l'aspect super sombre quoi le côté les noirs très très profond ouais effectivement il avait fait aussi un truc alors ça c'est pas trop intéressant une petite bande dessinée crossover entre Batman Hellboy oui, et Starman et Starman ouais. pas trop intéressant mais c'est marrant à lire quoi. Et puis les scènes de comme je disais les scènes de nuit qui sont toujours éclairées en jaune ouais. Mais en tout cas les films d'Hellboy sont enfin la BD Hellboy enfin Mignola a vraiment un style vraiment particulier et qui a marqué quand même pas mal de gens donc et Hellboy c'est vraiment son personnage quoi. Mais c'est des histoires très complètes hein, Hellboy hein. C'est ouais. vraiment des histoires accrochées et il y a pas mal de petites nouvelles etc il y a pas une alors ce qui est assez intéressant et ce qui a pu poser problème par la suite c'est que Del Toro est vraiment tombé amoureux d'Hellboy avec Mignola ils ont une vraiment relation d'amitié qui est importante hein. Il a Mignola, dessiné Mignola c'est une fleur oui mais j'aime bien parce que j'aime bien la chanson de Claude François okay. Emmanuel. Mignola Forever. Bref. Il y a une relation homosexuelle, ouais, tu dis. Ouais, avec son pote. Il a dessiné les deux couvertures des collections Criterion de Chronos et de. D'accord. Et de L'Échine du Diable. En plus. Et au-delà de ça, il a dû être consultant d'ailleurs sur les films. Hein, Hellboy, à mon avis, il a dû dessiner quelques-uns. Ouais, pas que consultant, il faisait les repérages à Prague ensemble. Ah, oui. Ouais, tout. Il a co-écrit le deuxième, hein. Mignola. Aussi. Et il disait même que parce que le film prend une direction qui n'a rien à voir avec avec la BD. Mm. C'est-à-dire que l'histoire d'amour entre Hellboy et Elise n'existe pas, mais il a dit qu'il avait envie de partir vers cette direction parce que justement ça lui avait donné des envies. Donc c'est assez marrant parce que Del Toro s'est vraiment approprié l'univers. Il l'a adapté. Il l'a créé vraiment pour lui. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une anecdote comme quoi qu'il avait changé la date d'anniversaire d'Hellboy pour qu'elle corresponde à la sienne, à celle de Del Toro. Donc c'est pour dire à quel point le mec se visualise dans le perso et Mignola il a la BD en même temps donc c'est vraiment deux univers un peu différents enfin complémentaires et parallèles quoi. Donc le film on l'attendait beaucoup je crois à l'époque enfin surtout après Blade 2 on attendait tous et en plus il a vraiment c'était d'ailleurs le truc qui était gênant avec ce film parce qu'il y a quand même une mini déception pour moi même si en le revoyant je le reconsidère. C'est qu'il reprenait énormément de choses de Blade 2. On sentait que Blade 2, ça avait été son truc d'expérience pour faire celui-là, quoi. En tout cas, en termes techniques, ce que je veux dire, c'est qu'il continue à tourner en République tchèque, à Prague. Il réutilise pas mal de choses. Il y a encore une scène dans le métro. Il y a pas mal de choses qui sont reprises. Partie du casting. Oui, une partie du casting, la base. L'équipe le travail sur les scènes d'action. Voilà, il y a beaucoup de choses. La photo un peu bleutée aussi de temps en temps. Oui, on sent que ça lui a permis, que Blade 2 lui a permis de faire celui-là. Ouais. Et là où on sent une vraie personnalité, quelque chose qui ressemble, c'est dans le travail du scénario, donc l'histoire parallèle entre Hellboy et Liz, qui, je pense, était la meilleure idée du film. Quoi. Ouais. Juste pour l'histoire, mais je pense que là, tout le monde a vu les films, mais on va juste dire, voilà, donc Hellboy, c'est un démon qui est appelé tout jeune par Rasputin, qui est un serviteur de l'axe du mal, quoi, des nazis, qui est toute l'idée un peu occultisme néo-nazi, des trucs un peu, enfin non, nazi d'ailleurs, pas néo-nazi, mais oui, qui était pas mal crédible en plus, parce que oui, ça s'inspire de tout ça, pour la simple raison que dans le film Rasputin appartient à ce qui s'appelle une organisation qui s'appelle Tulé et qui est une organisation qui existait vraiment, d'accord, qui était vraiment une sous-section nazie chargée des sciences occultes en fait, d'accord. Et oui, mais je crois qu'Hitler était un fan d'occultisme et tout. Ouais. Donc, là, c'est les Américains, l'armée américaine. Ouais, les Américains arrivent au moment où justement monstre Hellboy sort de la faille et il récupère l'enfant parce que c'est un petit bébé en fait. Et il le récupère et il est élevé et ça devient vraiment
un américain pur souche, sauf que bah, c'est un démon de 2 mètres de haut. Et il est élevé par le chercheur en question qui s'appelle ouais, chercheur. Père. Qui est, chercheur Broome. Qui est joué par. Merde, putain. John Hurt. John Hurt, ouais, voilà, oui, c'est un mec connu. Vite fait, vite fait. Vite fait connu. Et oui, et il vit dans le BRPD. Mmh. Ou dans le BRPD, alors c'est une section de recherche fantastique. C'est quoi déjà ces bureaux de recherche c'est le bureau de recherche du, de paranormal, je ne sais plus. Département. Oui, Département, c'est ça. C'est un peu comme un truc d'X-Files. Oui, c'est ça. Et là-dedans, il y a plein de, d'autres noms. C'est la galerie en fait, des monstres, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça qui, à mon avis, doit faire kiffer Del Toro. Mmh. Donc, il y a Ebb Sapiens, qui est interprété par Doug Jones, dont on en a déjà parlé, qui Sapiens. Est... C'est bien, c'est bien, et qui, oui, contrairement dans Superman, c'est des S, tu vois, pas comme dans Man of Steel où c'est pas des putains de S. Abraham Sapien. Donc, oui. Et allez, les private jokes là. Oui, il y a Abe, donc Abe, donc c'est vraiment, donc qui est interprété par Doug Jones, qui est un homme poisson, enfin lui, qui est un des personnages iconiques de la BD, et qui est absolument vraiment très très réussi dans les films. Et il y a surtout Lee Sherman, qui est une sorte de pyromane, enfin, elle crée du feu, mais sans le vouloir, dès qu'elle a une émotion, et donc elle peut exploser. C'est un mutant, elle, voilà. Plutôt. Elle souffre, pas parce que physiquement, elle ressemble à quelqu'un de normal, donc elle peut vivre, mais elle souffre parce qu'elle tue des gens sans le vouloir à cause de ses pouvoirs. C'est con parce qu'elle est très émotive. Oui, et voilà, en plus. Et Ebb Sapiens, ils ont rajouté un pouvoir dans le film, c'est-à-dire elle a le pouvoir de télépathie, tout ça. Ah, oui, c'est d'accord. Pas dans le comics, ça. Et donc voilà, et donc c'est surtout entre ces trois personnages là qui sont très importants, et donc Myers qui revient dans le premier film, qui est un nouveau personnage qui est censé introduire l'univers, parce que l'univers est quand même assez underground par rapport à un Spider-Man ou un Batman. Alors le truc c'est Batman. Que les producteurs, on voit très bien le délire, ils ont dû se dire bon, il faut un humain. Le héros il est pas du tout humain, le parti pris c'est que c'est un diable le héros, voilà. Il faut un humain pour intégrer le spectateur qui est complètement con, parce que sinon il va pas du coup s'intégrer dans cette équipe de monstres. Du coup, on va mettre un humain mais complètement insipide, un mec, un lambda, un américain moyen, voilà, John Myers. En plus, voilà le nom, il représente bien. Il faut vous dire un truc, c'est que souvent on a eu des private jokes dans les cinéphases où on appelait des personnages des Myers. Quoi? Parce que c'est des personnages qui ne servent à rien, sinon que d'introduire, mais qui n'ont aucune densité dramatique ou quoi que ce soit. Et c'est lui le narrateur du... Non, c'est le narrateur de la... En tout cas, vers la fin, c'est lui le narrateur du film. Et encore dans le film, on t'explique qu'il a une fonction. On t'explique qu'en fait, c'est lui qui est censé prendre le relais... De John Hurt. De John Hurt, en fait. C'est censé être le gardien d'Hellboy, en fait. Ouais. Et voilà, donc il a... C'est une bonne idée. C'était pas con du tout. Non, c'était une bonne intégration d'une obligation des producteurs. Sauf que même dans le film, hein, ça s'essouffle un petit peu... Et que après bon on l'oublie un peu. La première fois dans un film américain que la minorité c'est le blanc. Oui c'est ça. Mais oui alors que là le... mais en tout cas. Mais ça c'était l'ouverture des cuisses de Del Toro hein, ce personnage de Myers. C'est ce qu'on appelle la concession quoi. Ouais. Oui. Mais c'est pas qu'une concession là. Non, c'est... Mais... le personnage central du coup. Moi il me dérange pas autant que ça ce personnage. Enfin je le kiffe pas. Je serais content qu'on ne plus le voir dans le 2 tu vois. Mais je peux comprendre parce que. Faut quand même comprendre que le film aurait été vu par personne. Fallait qu'il y ait quelqu'un. Le film n'a pas été vu par personne. Voilà. Donc, déjà, et je pense vraiment au contraire que s'il n'avait pas mis Myers dedans, il se serait encore plus éclaté. Il y aurait encore plus. Non, je pense que ce qui a dérangé pas mal les gens, c'est que le film est parti sur une histoire d'amour qui n'existait pas dans les BD. Ouais. Et une histoire d'amour très touchante sur la monstruosité. Et c'est la première fois que Del Toro faisait ça, parce que Del Toro n'a jamais parlé, n'a jamais fait d'histoire d'amour quasiment dans ses films. Mm-hmm. En tout cas, pas d'amour dans Blade entre 2, deux personnes. Quoi. C'est dingue. Hein. Dans Blade 2, il y en a une, effectivement, mais elle est vraiment en dessous. C'est une sous-intrigue. Quoi. Enfin, elle est dans l'action, c'est pas les personnages qui disent ouais, je t'aime et tout machin. Alors que là, c'est vraiment le truc principal. Quoi. Le mec, Hellboy dans le film, il ne pense qu'à elle. Quoi. Ouais, mais du coup, en fait, Hellboy, il est complètement humanisé. Oui, je crois que c'est le principe. Quand tu vois dans la bande dessinée, Hellboy, c'est un genre footiste, il y va, t'es directement dans l'action, et, il rencontre des gens, tac, il fait une petite coop de temps en temps, tac, après il est tout seul, c'est vraiment la petite guerre et tout ça, il découvre des mondes assez incroyables. Voilà, je pense que c'est un bon parti pris d'avoir créé d'autres personnages pour étoffer, parce que juste Hellboy, ça aurait été effectivement impinable, mais je pense que ce Myers en question, c'est plutôt lui le problème plutôt que l'histoire d'amour. Parce que l'histoire d'amour, il te permet d'avoir une autre orientation vers le personnage d'Hellboy. Oui, mais en fait, cette histoire avec l'histoire d'amour, qui est... Moi, ce qui m'avait peut-être déçu un peu dans le film, et même, encore une fois, le film, je l'ai redécouvert après, mais c'est un film qui est très avare en scène d'action.
ouais. qui est pas du tout dans le trip jouissif de Blade 2. On n'est vraiment pas. Enfin, je veux dire, moi je voulais voir. Je voulais voir Hellboy défoncer la gueule avec des mecs avec son énorme main, quoi. Je voulais voir ça et je l'ai pas eu, quoi. Et il y a. Bon, alors là on spoil un petit peu, hein. Mais. Ah, mais justement, tu l'aurais eu sûrement s'il n'y avait pas eu Mayer. On serait directement au but. Parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes, il y a quelques scènes d'action qui sont avec les mêmes types de monstres en plus. Et surtout, il y a même la scène de fin, puisque le moment où il y a l'apocalypse qui est censé arriver, parce que tout le principe est que Hellboy, je suis un lapsus, doit la clé de l'apocalypse. Quand il la déclenche, quand il y a un énorme monstre qui arrive, ça dure 2 secondes. Alors, la blague est pas mal, dans le sens où il arrive à régler le truc en 2 secondes, mais c'est quand même... Oui, c'est moins jouissif que ce que tu aimerais voir. Moins jouissif par rapport... Un monstre, d'ailleurs, qui rappelle tout l'amour de... Oui, alors c'est ça que je voulais dire, c'est que... Non, Mignola, donc ça, est fan de Lovecraft, tout comme les Del Toro. Ça, on va revenir. Et vraiment, je crois que les premiers, les Hellboy, ça a été vraiment la clé pour Del Toro de commencer à évoquer l'univers de Lovecraft dans ses films, parce que certaines créatures d'Hellboy sont des créatures tirées de Lovecraft, ouais. quoi. Il y a pas de doute. Et d'ailleurs, on commence à voir des images qui sont vraiment très belles dans Hellboy, dans le premier, qui rappellent Lovecraft, quoi, qui donnent envie de voir ce qu'il va faire ensuite avec Lovecraft. De cette manière, Behemoth, il est clairement montré comme ce qu'on appelle chez Lovecraft un chthonien, c'est-à-dire c'est cette espèce de dieu énorme qui remonte. Ouais, du tréfonds de la terre et tout ça. Le problème, c'est que t'en vois une petite parcelle et t'aimerais vraiment voir un peu plus, quoi. Voilà, c'est tout. Après, le film est visuellement très beau, mais on sent que c'est un petit budget aussi, quoi. On sent qu'il a pas non plus, parce qu'il y a aussi le budget, on l'a dit, hein. Il a pas le budget pour aller plus loin dans les scènes d'action, quoi. Bon, pour te dire, à l'époque, je l'attendais plus que Spider-Man 2. À l'époque, je me disais, Hellboy, c'est le truc que je veux voir. Genre, je collectais tous les magazines et tout ça. Et limite Spider-Man 2, je l'attendais moins, quoi. Après, finalement, le résultat s'impose lui-même. Mais disons que je me souviens, effectivement, un peu comme Philippe, avoir été un peu dégoûté par le film, parce que je me suis dit, Myers me gêne, et je m'attendais au même niveau d'action, mais surtout au même niveau de violence et de liberté que Blade 2. Mais le film a bien vieilli pour moi. Quand je l'ai vu, genre 5 ans, 6 ans après, je me suis gagne en maturité. Ah, peut-être le 2 aussi, quoi. C'est peut-être le 2, je pense, qui a. Peut-être. Il a rééquilibré la chose. Il a rééquilibré un peu le. Ouais, totalement. Mais aussi parce que, à l'époque, peut-être qu'on réalisait pas tout ce que Del Toro, déjà, il y mettait dans le premier, quoi. Toutes ces monstres. C'est vrai que c'est très. C'est très personnel. Enfin, le film est très, très personnel. Enfin, moi, par exemple, le méchant, là, Rasputin, je l'ai trouvé extrêmement bien réussi. Ouais. Et étonnamment. J'ai lu les bandes dessinées après, en fait. Et en fait, j'ai lu les bandes dessinées quand il y avait la promo du 2. Donc, tu vois, j'ai lu vachement tard, finalement. Et bah, écoute, ça m'a donné envie de revoir, du coup, Hellboy 1. Et en fait, il avait quand même extrêmement bien ciblé l'univers. C'est ça. Et même si tu as des relations qui ne sont pas du tout dans la bande dessinée avec les autres monstres, les autres monstres ne dénaturent pas du tout l'univers d'Hellboy, quoi. Même s'il est un petit peu, il est amoureux, c'est pas ça qui casse le personnage d'Hellboy. Au contraire. Et c'est pour ça que c'est assez étonnant et que je peste énormément et que j'arrêterai jamais de pester sur ce Mayer sans question. Parce que, franchement, Hellboy, si c'était pas un film d'action, sans ce Mayer, ça aurait pu être un film un peu épique, pas forcément d'action, mais un romantique et franchement un hymne au monstre, en fait. Et franchement, ça m'a toujours écœuré de voir ce personnage. Ouais, je suis pas gêné par ça. Après, c'est vrai que le film se bonifie. L'histoire d'amour est quand même très belle. Et puis, et puis voilà. Enfin, ça reste un bon film, mais c'est pas le meilleur de Del Toro, loin de là, quoi. Non, c'est celui qu'on oublie un peu, quoi. Moi, je pense que ce qui est important avec Hellboy, c'est que c'est un film aussi qui a dû nous sensibiliser à l'idée d'adaptation, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, ah non, il ne doit pas tomber amoureux d'elle et tout machin. Et en fait, c'est là que je te rends compte que quand un cinéaste prend un matériau et qu'il prend des trucs et qu'il change certains éléments, c'est là où tu vois que le film va compter, quoi. Tu vois. Et le cas d'Hellboy, c'est ça, quoi, parce que finalement, Del Toro a fait des modifications qui vont être importantes dans le deuxième aussi. Ouais. Oui, dans le deuxième, ça explore vraiment. Et qui fait qu'il a un truc à raconter. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur Hellboy, sinon ?
Bah, peut-être qu'il a joué aussi d'un très mauvais buzz à l'époque. Oui, Les gens, ça n'a ils pas détestaient ce été, ça a pas film. été un grand succès. Et c'était la mode de ne pas aimer Hellboy. Hein, parce que c'était ringarde, parce que c'était stupide. Pareil que Blade 2, tu sais, c'était stupide. Hellboy, c'était, ça faisait partie de ces Bon, après, on blockbusters pourrait dire, stupides. mais Del Toro a jamais eu beaucoup de succès avec. Commercialement. Avec les grands publics, quoi. Avec le grand public, ça n'a jamais été la grande, c'était grande le histoire. C'est qui a cartonné, par contre. Hein. Au niveau de la critique, surtout. À Cannes, ouais, il avait un autre reproche sur Hellboy, je trouvais qu'il. Ils exploitaient trop la créature, la Samael. On voit que lui pendant tout le film. Je me suis dit, putain, il y en a un. Oui, le monstre. Mais, oui, il y en a trois. Il y en a trois. Oui, mais après, il y en a trois. Mais je dis, il n'y a pas d'autres monstres. Mais c'est ça, même, oui. En fait, ouais. Mais c'est là où, pour moi, ça, c'est des limites de budget. Et la promo, elle avait été là-dessus aussi, hein, sur lui. Hein. Sur mais pour moi, c'était vraiment la limite de budget. Effectivement, il y avait que une créature qui sont triplées en trois. C'est et basta. Et s'il y avait le squelette, là, il y avait l'homme squelette qui sort de la tombe et qui était vachement joli. Mais pareil, la scène, elle dure 2 minutes. C'est dommage. C'est des choses un peu dommages du film, quoi. Oui. Du coup, allez, on va alors, passer. Malgré tout, il avait quand même passé un cap avec Hellboy, je pense. Pardon. Bon, on va passer à son chef-d'œuvre de la critique. C'est ça, le film monument de Del Toro pour, on va dire, le monde entier. C'est ça. C'est ça, hein, celui, objectivement parlant, c'est son chef-d'œuvre. Mmh. Voilà. Labyrinthe de Pan. Le film accepté par les fans de Tim Burton. Oui, c'est ça, oui. Le film approuvé. Tim Burton approuve. Le film fanbase. Non. Alors, donc, Le Labyrinthe de Pan. Quelle année? 2006. 2006. Alors, Le Labyrinthe de Pan, c'est son retour au cinéma en Espagne. Ouais. C'est son retour au cinéma espagnol. Produit, entre autres, par les Français, hein, par Wild Bunch. Ouais, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'il a toujours eu une bonne popularité en France. Ah, bon, on l'adore, nous aussi. On l'adore. Et du coup, donc, du coup, ouais, c'est un grand... c'est son retour, donc est-ce qu'on peut raconter l'histoire? Raconter un peu l'histoire avant de... Ouais, revenir un petit peu à l'histoire de base du labyrinthe de Pan. Alors c'est on revient dans le délire franquiste, hein, bien sûr, en Espagne. La jeune fille, c'est quoi? C'est Carmen, non? Son nom. Non, je sais plus. C'est une jeune fille en fait qui est la fille de la future femme d'un commandant franquiste. Et ce commandant est interprété. Donc c'est Ophélia, la fille. Et ce commandant est interprété par Sergi López. Mmh. Sergi López, vraiment en grande forme. Extrêmement bon. Mais il y a une Carmen, hein. Il y a une Carmen. C'est la mère, peut-être, Carmen. Je crois. Ouais, peut-être, c'est ça, ouais, c'est la mère. Et donc, Sergi López incarne un commandant qui est dans une base, mais un mec vraiment à l'image du franquisme, un mec ultra brutal, sans concession, un fils de pute. Ouais, durant la guerre civile, hein, je crois. Ouais, non, la fin de la guerre civile, c'est la résistance. Hein. Là, c'est les années 30. Là, 36, ouais, c'est la résistance de la guerre civile, parce qu'il y a une résistance qui est assez importante dans le film. Et du coup, elle est contrainte parce qu'elle doit vivre avec Sergi López en question, avec sa mère. Sa mère est enceinte aussi. Car sa mère est enceinte, ouais. Et elle doit vivre dans une sorte de grand chalet isolé. Une grande maison de maître isolée, et tout autour, bien sûr, il y a toute l'armée aussi, hein, du commandant en question. Et elle se sent vraiment confinée, et du coup, elle va se réfugier dans ce qu'on croirait, ou ce qu'on pourrait penser un conte, un rêve, en fait, où toutes les nuits, elle va essayer de retrouver un faon un peu mystérieux qui lui... Un faune. Oui, j'ai dit un faon, effectivement. Il pourrait avoir de belles plumes en plus. Hein. Et en fait, il va lui donner des... on va dire des quoi? Des épreuves, en fait. Ouais, comme un conte de fées, comme un conte de fées classique. Hein. C'est ça. En fait, au début, elle suit des fées. Mm. Et après les fées, elle commence à... Voilà, elle rencontre... donc c'est Pan ou c'est le Elfano. Enfin, je sais pas. C'est ça change Pan, au niveau des titres. C'est Elfano, ouais. Elfano, ouais. Et qui est une sorte de dieu. Hein, de toute façon, c'est tiré de la mythologie grecque, alors, il faut, latine. Voilà. Elle y trouve... c'est vraiment d'abord, il y a le labyrinthe. Enfin, il y a tout le parcours et tout avant le labyrinthe, d'arriver à lui. Évidemment, on est encore, c'est comme la bombe dans l'échine du diable qui est au milieu du truc. Là, le labyrinthe, c'est la psychologie, c'est la métaphore de la guerre civile, de la cruauté humaine. Et là, effectivement, là, on est, bah, comme aussi d'ailleurs l'échine du diable, mais encore plus, on est vraiment dans le conte. Et là, les épreuves du conte vont être très dures. Très, ouais, et des passages pour Ophélia pour qu'elle avance. Alors là, on est vraiment dans le compte, pas le compte de fées. Hein. Ouais. On oublie. Alors c'est marrant du coup qu'il l'introduise. Alors lui avait, alors lui c'était assez intéressant parce qu'il avait dit qu'il s'inspirait d'Alice au pays des merveilles, etc. Ouais, ouais, mais surtout des, alors c'est de con parce que j'ai oublié les noms, mais surtout des gravures et des dessins de Gustave Doré. Non, c'est pas... Peut-être, mais non, peut-être d'autres qui étaient des dessins qui avaient été faits pour plusieurs livres
plusieurs livres d'illustration. Ah, de, oui, des illustrateurs de contes. D'Alice au Pays des Merveilles. Oui, oui. Et c'est des, si vous regardez un peu, renseignez-vous sur Internet, regardez un peu les dessins de ça, et c'est des dessins ultra sombres d'Alice au Pays des Merveilles. C'est pas le truc de Burton horrible, hein. C'est vraiment des dessins assez presque réalistes avec le lapin, etc. Enfin, des choses assez fortes. Et de toute façon, il y a une grosse référence à Alice au Pays des Merveilles dans tout le film. Même elle ressemble, elle a un costume qui est très proche. Le film commence par un gros plan sur elle, en train de saigner du nez. Elle est à l'horizontale. Voilà, le film commence par un enfant en fait qui est à terre, ensanglanté en gros. C'est super violent. Excusez-moi, c'est juste, alors ça n'a rien à voir, mais dans le coffret DVD du Labyrinthe de Pan, on avait une affiche de Molière avec Romain Duris. Non, ça m'a fait bizarre de revoir Romain Duris comme ça dans Molière. Ah, merde. Là, tu viens de me calmer. Alors, en fait, ils avaient sorti une édition DVD à l'époque avec le HD DVD. C'est encore la guerre entre Toshiba et Sony. Et en fait, le coffret était particulièrement magnifique. C'était un bouquin. En fait, alors ça, c'est assez génial parce que. Il y a un bouquin dedans avec des storyboards, etc. Il y a la BO aussi qui est assez sublime. La BO est très 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 forte. Et en fait, il y a le storyboard et tout, mais en fait, c'est l'édition américaine plus des bonus en plus qui ont été faits dans un autre DVD par Wayside. Et puis le coffret, même le visuel est sublime. Et Del Toro, il était tellement fou de ce qu'ils avaient fait parce qu'ils ont quand même été chercher Del Toro chez lui pour le réinterviewer, etc. Mmh. Tu vas me dire, Wayside, Wild Bunch, c'est un peu les. Enfin, c'est dans les mêmes. C'est les mêmes boîtes finalement, mais. Il a été les soutenir, quoi. Il est reparti faire la promotion avec eux du DVD parce qu'il trouvait que c'était. Et c'est une édition spéciale française. Hein. T'as pas cette édition aux États-Unis. Hein. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'achète le Blu-ray, que je vire la boîte et que je mette à la place de DVD. Oui, c'est ça. Et je l'ai le Blu-ray, mais effectivement, j'ai quand même le coffret. Ce coffret, je suis sûr qu'on doit pouvoir le trouver pas trop cher. Non, maintenant, non. Non, c'est vrai que le coffret est très beau. Et puis l'interview qu'ils font de lui est très intéressant aussi. Oui, il dit pas mal de choses. Bon, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le film C'était un petit choc à l'époque. C'était quoi, ouais. Comment vous l'avez après, vu Blade 2 et Hellboy, tu t'attends pas à ça, quoi. Tu t'attends pas à un Les Chines du Diable 2 en puissance 1000 en termes d'émotion. J'avais des gens qui avaient reproché, moi, quand j'avais vu au cinéma, qui trouvaient que c'était un doublon de Les Chines du Diable, quoi. Mais avec plus d'argent. C'est une suite, quoi. Je trouve qu'émotionnellement, le labyrinthe de Pan, ça t'éponge, quoi. Émotionnellement, c'est tellement fort que dans le bon sens, que t'es vidé à la fin du film. Tellement tu passes par des phases d'émotion très, très fortes. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais sorti du film, j'étais... Tu sais, tu trouvais pas les mots, quoi. C'était vraiment... Et pareil, le film est extrêmement violent. Très, très dur. Sergi Lopez, là... Cruauté, il tue des mecs en leur... Ah, t'as une séquence de torture qui est vraiment incroyable. Il perce des yeux, je crois, avec une lame, si je me rappelle bien. Je me souviens de cette scène. Enfin, il y a ce côté très bizarre avec la bonne... La Mercedes qui tourne autour, mais... Alors, super cette actrice en plus, Marie Belverdo, elle était vachement bien. C'est elle qui joue dans le nouveau film, là, le film en muet là, qui a été fait. Blanca Nieves. Ouais. Et il y avait même un truc sur ce personnage très bizarre. À un moment donné, dans le film, il se fait ouvrir la moitié de la joue. Oui. Et on le voit lui-même se recoudre. Et même quand il se recoud, il garde un côté inflexible. Bah, en fait, c'est lui qui se transforme plus ou moins en monstre au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis tout est en métaphore, c'est-à-dire la scène de repas avec lui et ensuite métaphorisée dans le conte avec la scène avec le mec là, enfin la grande scène très connue évidemment, c'est cette scène où t'as cette créature qui prend ses yeux dans la main et qui les met dans ses mains. Là, comme il ça. Y a le repas complètement fou. C'est fait à partir du même décor que le repas avec Sergi Lopez quelques scènes avant, en fait. C'est des doublons, enfin, c'est assumé comme ça. Ce qui était très dur dans le film, c'était aussi de voir la manière dont la petite fille ne réussissait pas tout le temps ses épreuves. Des fois, elle se plantait. Il y avait cette scène où elle met une petite poupée dans du lait, c'est ça? Oui, c'est ça, pour sa mère. Ouais. Pour qu'elle soit malade, c'est pas une poupée, c'est une sorte de racine dégueulasse qui commence à... En fait, tout est moche, en fait. Rien ne te fait penser à un conte joyeux, même son imaginaire. Mais après, là, de toute façon, c'est un vrai retour au conte. Il y a ce crapaud qui commence à se boursoufler, à imploser. Ouais. C'était même la créature avec les yeux, là. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais lui...
Il était flippant, hein, genre quel. Mais en tout cas, alors cette créature et la le faun effectivement sont encore interprétés faune, par faune. Faune, pardon. Oui, mais avec le paon et faune, on fait un mix en fait. Ah, c'est ça. Les deux sont interprétés par Doug Jones. Mm. Ça a été un peu l'apogée de sa carrière, Doug Jones. Hein. Là, on a commencé vraiment à le remarquer. Hein. C'était genre ok, c'est ce mec est important. De toute façon, tout le côté mime qu'il a mis dans les deux rôles d'ailleurs, et c'est surtout son travail sur les mains aussi, parce que c'est un mec qui bouge ses doigts d'une manière très très délicate, parce que c'est un type très très grand. Si vous l'avez vu pour de vrai d'ailleurs, parce que vous pouvez le voir pour de vrai, maintenant il tourne dans des films sans costume, pas forcément. Et c'est un type très étrange, hein, qui a un physique un peu squelettique. Et effectivement, du coup, il arrive à avoir une grâce là-dedans qui est assez impressionnante. Et c'est un peu la meilleure collaboration qu'il a eue avec lui, de toute façon. Enfin, encore que Hellboy 2 est assez impressionnant. Mais c'est vrai que le faune est assez impressionnant quand tu vois le maquillage. Ouais. La créature en elle-même est magnifique et effectivement t'as cette gestuelle qui est très très, très marquante. Et ouais, mais non, après voilà, le film est passé à Cannes en compétition, hein, à l'époque. Ah ouais, Del Toro il avait pleuré en plus à la fin. Donc compétition à Cannes, bon, il a eu aucune récompense. C'est qui a eu une réponse? Ah, à l'époque c'était Le Vent se lève de Ken Loach. De Ken Loach. Non, mais là tu félicites un festival de renom là. Non, mais c'est pas ça. C'était il y avait aussi Indigène à l'époque, et c'est pas pour dire, mais c'était une compétition. Il y avait que des trucs sur la guerre en fait. Et le meilleur film sur la guerre a pas été récompensé parce que Le Vent se lève c'était quand même très classique. C'était pas mal, mais c'était classique. Et bon voilà. Et c'était quasiment que sur ça quoi. Et c'est la seule fois où Del Toro a été en compétition à Cannes, enfin on compétait au festival de Cannes, et dans la compétition officielle, et ouais, il n'a pas eu du tout de récompense, ce qui était une totale connerie. Je ne sais pas s'il a été remarqué par la critique à Cannes. Si, parce qu'ils avaient fait une projo et il avait eu 15 minutes de Standing Ovation, et il était en train de pleurer parce qu'il ne s'y attendait pas, tu vois. Attends, quand tu fais un film comme ça, déjà à l'époque, tout le monde avait adoré ce film. Mais je comprends pas. Je comprends pas, c'est que maintenant, quand il y a une standing ovation à Cannes, tout le monde en parle le lendemain, et le film, il est plus ou moins dans les favoris pour avoir un prix dans les. Et là, je me rappelle pas de ça. Je me rappelle qu'il a une standing ovation, mais je me rappelle pas qu'il ait même pas été dans les rumeurs du festival, quoi. Du palmarès, tout ça. C'était Wong Kar-wai, hein, qui était président du jury à l'époque. Ah, ben. Et ouais. Putain, c'est bizarre, quoi. Anomalie de l'histoire. Ouais, bref. Bon, en tout cas, le film a été quand même salué par la critique, ou même, encore que je sais pas s'il a été. Si. Il a été adoré, mais en tout cas, au fur et à mesure, les gens ont commencé à le voir. Parce que tout le monde l'a pas vu au cinéma. Moi, je me rappelle d'avoir vu dans un cinéma de. Enfin, pas forcément un gros cinéma, un gros multiplex, c'était dans un cinéma. Si, c'était diffusé. Moi, je l'ai vu en multiplex. Moi, je l'ai vu dans un pâté aussi. Ouais. Moi, je l'ai vu à Saint-Germain. Je l'ai vu à Saint-Michel, moi. Il avait une très bonne promo, ce film, hein. En tout cas, il était. Je me rappelle de pas mal de gens qui l'ont pas vu sur le coup, qui l'ont vu en DVD après. Je sais que le film a été considéré comme étant un chef-d'œuvre l'année d'après, quoi. L'année d'après, c'était le film. Les mecs, après, il y a pas mal de mecs qui avaient loupé le film, qui l'ont vu après, en tout cas. C'est un film qui est un peu unique parce qu'il a atteint des fanbases que n'ont pas du tout atteint ces autres films, y compris les Hellboy, tu vois. Oui. Donc, du coup. Vu que le film a un imaginaire un petit peu plus gothique / conte de fées, ça a atteint. C'est pour ça que je disais au début, ouais, le film approuvé par les fans de Tim Burton parce que il y avait des trucs qui le faisaient vaguement penser un petit peu à l'univers de Burton. C'est pas faussement dégueulasse. Sauf que le labyrinthe de Pan, pardon. Le labyrinthe de Lian. Il est authentique. Il est, par rapport à Burton, il est surtout très très violent, quoi. Burton n'a jamais fait un truc aussi. C'est pas du faux sombre, là. C'est vraiment quelque chose de cruel et de. C'est pas juste en surface. Puis c'est très réaliste, hein. Ça serait Burton, mais du point de vue réaliste de. Du point de vue presque athée, quoi, du truc, quoi. Le contexte historique fait aussi que tu adhères à l'histoire. C'est vrai. En tout cas, le film a, voilà, cette renommée-là. Je crois qu'à ce moment-là, Del Toro, il a vraiment été considéré par les critiques comme le mec qui aime les monstres, comme etc. Et c'est marrant parce que c'est un type qui pourrait continuer à faire que ça, quoi. Bien sûr. Comme l'a fait Cronenberg d'ailleurs, comme l'a fait Tim Burton à un moment donné, c'est-à-dire continuer sur ses côtés films d'auteur avec un peu de fantastique, voilà, tu vois. Je veux dire, le mec, je pense que s'il avait continué dans ces eaux-là,
le mec il avait une palme ou, un, ou des, enfin il avait des prix les prochaines j'en fois quoi. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas parce qu'il n'a pas du tout envie de faire ça. Auteur, enfin c'est très auteur. Hein. C'est oui non. Les trois, hein, Chronos, les Chines du diable et extrêmement virulent en fait. Oui, mais ça parle de la guerre, ça parle des thèmes qui sont forts, tu vois. Tu sais quand même que les gens de Cannes tout ça, ils ont quand même une espèce d'a priori vis-à-vis de l'imagerie. Oui, mais quand une fois, c'est comme Burton ou Cronenberg, leur premier film, c'est des chefs-d'œuvre et tout le monde te dit c'est des chefs-d'œuvre, mais les compétitions ils les remarquent pas. Et leurs films d'après, ils vont tous en festival parce que c'est quasiment les mêmes films que les films d'avant, sauf que c'est des films, on va dire considérés par la critique. Ce qui est intéressant avec Del Toro, c'est qu'après Labyrinthe de Pan, il part sur Hellboy 2. C'est-à-dire que c'est vraiment un type qui coupe un peu sa carrière en deux quoi et qui assume totalement le fait. Il l'a dit parce que un truc quand même qu'on a oublié de parler, c'est que c'est un grand ami de James Cameron. Mmh. Apparemment, ils sont vraiment potes. Cochon. Ouais. Même s'ils n'ont jamais vraiment bossé ensemble. Et James Cameron l'avait prévenu en lui disant, mais est-ce que tu te rends compte que en acceptant de faire ce type de film, genre Blade 2, je crois que ça devait être à l'époque de Blade 2, t'es en train de te fermer ta carrière, quoi. T'es en train de d'avancer, parce que c'est un type qui a le talent pour gagner des palmes. Hein. Del Toro, il a le talent pour le faire. Il a l'intelligence, il connaît tous les réalisateurs mexicains d'auteur, enfin, c'est pas du tout. Et lui disait, non, mais c'est mon truc, quoi. C'est ce que je veux faire dans ma vie. Ma filmographie, c'est les films de monstres. Je veux être catalogué comme réalisateur de films d'horreur et de monstres. Je veux pas être catalogué comme réalisateur de films d'auteur. C'est pas mon truc. Enfin, c'est pas mon truc. C'est pas son souhait. C'est un bonus pour lui. Ouais. Mais du coup, Hellboy 2, il a mis du temps à le faire. Enfin, il a eu du mal à le faire parce que le premier film d'Hellboy, c'est Leon Gex qui avait produit, je crois. Non, c'était Sony. Sony. En tout cas, c'était pas. Non, c'est pas Universal qui a fait Hellboy 2. C'était Sony. Et ça a été racheté par Universal. Il y a eu plusieurs scénarios qui ont été mis en place. Un des scénarios étant que Hellboy devait s'affronter toutes les créatures de la Universal. Ça a été un des scénarios abordés où il devait aller se battre contre Frankenstein, etc. Par contre, c'est les mêmes producteurs. Cool, ouais. Ouais, ah ouais. Ils ont juste. Les droits ont été rachetés par le studio, mais c'est les mêmes producteurs. Studio, ouais. Ouais. Alors, ça, c'est fou parce que du coup, Hellboy, donc ça suit le premier. Là, le Myers en question, ils l'ont jarté avec une phrase pour dire qu'il l'a envoyé en Antarctique, je ne sais pas où. C'est ça. Et là, on reste que sur l'équipe de monstres. Est-ce que tu veux raconter un petit peu l'histoire? Oui, en fait... T'en pleures, en fait, Fabien. C'est en train de chialer, quoi. Je me mouche, en fait. En fait, c'est un prince issu d'un royaume elfique disparu. Ancestral, donc, qui veut déclarer la guerre aux humains parce qu'il pense que les elfes et les humains doivent cohabiter. Parce qu'il y a eu une histoire entre les elfes et les humains, une espèce de guerre qui s'est mal passée. Oui, le film commence avec une animation quasiment en marionnette en bois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est donc le père d'Hellboy qui lui raconte. Il lui raconte une jeune histoire. Et en fait, c'est à Hellboy et aux autres de l'arrêter parce que ce prince-là, il commence un petit peu à foutre le bordel dans la ville, à lâcher des créatures un peu partout. Donc, une enquête s'ouvre et Hellboy doit arrêter Et en même temps, Hellboy dit un truc personnel puisque sa Lise est enceinte, quoi. Il y a tout le truc, il y a tout ce délire là aussi. Donc, on continue avec ça. Et puis, il y a Abe aussi qui dit, mais Fabien, c'est pas possible. La crève. Oui, c'est ça. Oui, Abe tombe amoureux de la sœur du prince. Oui, c'est ça. Donc, en fait, là, il y a l'idée de... Ce qui est assez génial dans ce film, c'est que là, il prend vraiment ces deux acteurs fétiches qu'il a fait jouer un peu séparément dans ses films, etc., pour leur faire pour les mettre au même niveau, quoi. Je vais prendre mes deux monstres préférés et puis je vais leur développer des histoires d'amour, quoi. Et surtout que Doug Jones joue plusieurs personnages. Comme d'habitude. Même si Abe est quand même le perso central. Donc toi, finalement, c'est surtout une traque, c'est une grande aventure, en fait. Track pour un frère recherche sa sœur. Eux, ils essayent de protéger sa sœur en soi. Bah, Hellboy 2, c'est un peu une apogée de sa carrière à ce moment-là, puisqu'il arrive à mixer tout le travail qu'il avait fait sur Hellboy au début et même le côté blockbuster de Blade 2. Il va reprendre le personnage qui avait joué Nomad pour lui refaire un rôle très similaire. Oui, c'est presque pareil. Hein. C'est presque un reboot de Hellboy 2 à ce niveau-là, de Blade 2. C'est un personnage, c'est un monstre qui est attachant, mais parce que c'est un marginal, en fait. Oui. Même au niveau visuel, hein, il lui ressemble un peu, je trouve. Enfin, c'est le même acteur, tu vas me dire. Mais même, il a ce côté-là. Et puis, reprendre ces deux acteurs fétiches, et puis reprendre tout son rapport sur les monstres, etc. C'est vraiment
un aboutissement, quoi. Tu te dis, et vraiment. Et puis, il rajoute son côté féerique. Exactement. Qu'il y avait dans le labyrinthe de Pan. Et le côté blockbuster Lovecraftien, même si Lovecraft est vachement effacé par rapport au reste. Disons qu'il travaille plus sur l'heroic fantasy ici, avec les elfes. Mais ce qui est hallucinant dans ce film, c'est que c'est davantage un film d'aventure, parce que c'est un film où on voyage plus. On voyage dans New York, on voyage dans les bas-fonds, on a cette espèce de marché des trolls, qui est un univers alternatif qui est très sympa. La fin du film se passe en Irlande. On voit justement des trolls et tout ça qui habitent en Irlande. Ouais, puis il y a un humour aussi très stylé de cet esprit-là, quoi. Oui, très d'aventure. Et puis ils sont à la recherche d'un objet dans ce film. C'est un objet qu'il faut réunir, parce que comme vous le savez, en fait, le prince est à la recherche des fragments d'une couronne, et en assemblant cette couronne, il va pouvoir déterrer sa fameuse armée de Golden Army. Oui, et puis les fameux monstres, les fameux robots géants à la fin, quand ils arrivent, c'est quand même une des scènes de baston les plus kiffantes qu'on avait eues depuis longtemps. C'est incroyable. C'est assez génial, parce que ce qu'on n'avait pas eu avec le premier Hellboy, on l'a avec celui-là. Mais en plus, avec tout ce qui avait l'air d'avoir été travaillé sur Labyrinthe de Pan. C'est assez marrant, parce qu'en fait, on a l'impression que Del Toro, à chaque film, il réutilise plein de procédés et le boulot esthétique et artistique qu'il a fait sur celui d'avant. Oui, j'ai l'impression. Et aussi technique. J'ai l'impression qu'effectivement, à chaque fois, depuis l'Échine du Diable, chaque film est une conséquence du suivant. C'est-à-dire, à chaque fois, il se renouvelle dans ses films plus intimes pour apporter des choses nouvelles sur ses films hollywoodiens. C'est ça, exactement. Moi, ce qui m'avait assez fait halluciner à l'époque, c'est qu'il utilise pour la première fois, je crois, les caméras HD sur Hellboy 2. Ouais, t'es sûr, ça? Ouais, t'as des plans avec, pas tout le film. D'accord. Surtout la scène du début où il se bat contre les petites fées des dents. D'accord. Où il y a pas mal de séquences en caméra HD. Du coup, il bosse beaucoup sur l'impureté de l'image. C'est-à-dire, il veut qu'il y ait des trucs qui giclent à l'écran. Ouais, d'accord. À un moment donné, il tue une fée face caméra, voilà, le sang gicle et reste un moment. Il le continue d'ailleurs dans Pacific Rim, pas mal. C'était dans Blade 2. Mais sauf que les effets d'impureté se prolongent d'un film avant, quoi. Moi, ce qui me marquait aussi, c'était la réelle. C'était assez impressionnant. Alors, la caméra bougeait tout le temps dans ce film. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de steady. Mais des plans très complexes, on passait d'un personnage à l'autre, c'était très 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 travaillé. Puis je reviens quand même sur la scène de combat de Hellboy 2, la scène de combat de fin, ils avaient utilisé des trampolines, pour le voir sauter de l'autre côté. Enfin, il y avait plein de trucs physiques. Et ouais, effectivement, le bestiaire de monstres, c'était carrément, c'était impressionnant. Quand on a pu, on a encore. L'enjeu de la mort à la fin, qui est aussi joué par Doc Jones, est carrément est assez magistral. Et ça prévisualisait Blade 3. Qu'on pensait voir après, quoi. On pensait voir dans les 4 ans d'après, ce qui était une grosse connerie, puisque ce film n'a pas non plus un succès colossal. Il y avait cette créature aussi, l'élémentaire, là, cette espèce de monstre plante qui était. Oui, et quand tu vois Pacific Rim, tu te dis, ok, enfin, quand Pacific Rim a été annoncé, on se disait que ça allait être cette scène sur tout le film, quoi. Les scènes avec Clémentari, c'est génial aussi. Celui-là est vraiment touchant aussi, parce que l'humour est touchant par moments, la scène où Hellboy. Il y en a qui parlent. Il y en a qui trouvent qu'ont un vrai problème avec ça, justement, qui trouvent qu'ils humanisent trop les monstres, en fait. Ouais, mais alors dans ce cas-là, c'est des personnes qui ont vraiment bloqué sur le premier film. Oui, pareil, c'est des gens qui reprochent à peu près l'histoire d'amour de Liz avec Hellboy. C'est-à-dire, en gros, il nous fait le même truc, quoi. Il nous fait sa version perso de ce qu'on a. Ils sont jaloux parce qu'ils pourront jamais avoir un aussi gros kick qui rouge. Oui, c'est sûr. Hellboy, ça doit être quelque chose. Ça doit être chaud. Pour moi, Hellboy 2, c'est un film que j'ai un peu tendance à comparer à Spider-Man 2, dans la mesure où je vois ici un réal qui est en pleine possession de ses moyens. Et qui va se dire, je vais faire genre mon film et je vais faire genre la suite ultime. Ah non, mais là, il n'a aucune limite. Apparemment, il a quand même chié pour le faire. Hein. Bah, peut-être parce que justement, il y avait pas de limite, qu'il voulait tout mettre dedans. C'est un film extrêmement gourmand. Quand il t'offre tellement de choses, regarde la séquence du début là dans la rue avec les petites rongeuses, les fées des dents. Toute la séquence au marché, dans le marché des trolls. Écoute, rien que cette séquence là, elle vaut tous les prix du monde tellement elle est merveilleuse. Bien sûr. Après t'as les Amantari, à la fin t'as le combat avec le prince. Enfin, t'as énormément de choses. C'est vrai, t'es blindé. Tu te dis bon, c'est vrai qu'il me gâte.
Il me gâte tout le temps dans ce film. T'as une photo qui est exceptionnelle. T'as vraiment aucune limite. T'as plein plein de monstres. Et à la fin, il va encore remettre le couvert. Et il va toujours en mettre plus. Et jamais de la surenchère en plus. Et là, il va te balancer l'armée, justement, les légions d'or là. Ouais. Et je pensais vraiment pas. Il m'avait tellement gâté. Je ne pensais pas qu'il allait les faire se réveiller. Et putain! Il les fait se réveiller et tu vois Hellboy seul contre une armée. 70 robots. Et là, ce que tu disais dans le 1, là, qui t'avait vexé, que tu ne voyais pas se taper, comment fonctionner, tu vois Hellboy se taper contre des mecs, contre des robots invincibles. C'est, écoute, moi, ce film, il m'a conquis. Mais pour moi, c'est le gros chef-d'œuvre de Del Toro. Oui, c'est Guillermo. Guillaume du Toro. De Guigui. Et on revoit dans ce qu'on disait dans la première partie l'imagerie du mécanisme et des rouages. Oui, oui. Mais de toute façon, c'est ce qu'on dit. Hein. À chaque film, il a l'air de piquer des éléments qu'il a commencé à effleurer dans le film d'avant. Les robots géants, la Golden Army fait penser aux robots, au Jagger de Pacific Rim. Le conte de fées te fait penser. Enfin, les éléments de féerique de Hellboy qui sont pas du tout dans le livre, hein, qui sont pas du tout dans les BD, qui sont vraiment repris, te font penser au labyrinthe de Pan, et etc. Quoi, il y a pas mal de. À un moment donné, il y a le prince qui sort la graine de l'élémentaire d'une espèce d'œuf qui fait penser à celui de Chronos en fait. Ouais. Non, mais c'était vraiment une apogée. Puis en fait, quand il est sorti en France, il venait de signer pour The Hobbit. Donc puisqu'il devait réaliser pour les gens qui savent pas, si vous êtes nés entre les deux avant les 4 ans, il devait réaliser donc les deux volets de The Hobbit, parce qu'à la base il y avait que deux films. Ouais, c'est ça. Et donc là on voyait Hellboy, en plus il était passé à Paris à ce moment-là, il avait signé plein d'autographes. Et puis c'était tu l'avais vu toi? Ouais, moi je l'ai vu, il m'avait dessiné tout, je l'avais salué, il m'avait dessiné un truc sur un bouquin et tout. Ouais, cool. Des mains énormes. Il a des paluches, le mec. Et il a dessiné un petit. Il a dessiné un petit Del Toro avant de signer le truc. Un petit Del Toro. Ouais, avec la lunette et tout, ouais. Ça, lui-même. Il se dessine lui-même. Ouais, c'est ça. Il s'aime bien. Et avec un gros kiki dans le texte. Et son numéro de téléphone. Je trouvais ça un peu bizarre. Il fait marrer. Ouais, il avait des mains immenses. Il était énorme. C'est ce qui m'avait. C'était impressionnant, en fait, les mains. C'est pas toi le petit Romain qui a dû le Non, parce que je suis pas si petit, quoi. C'est une montagne. Le mec, il a des paluches de mineur, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment des mains de. Et est-ce que c'est confortable, quoi, ou c'est genre dur, quoi? Je sais pas, j'ai serré deux secondes, j'ai pas eu le temps. Non, genre mineur, quoi. Genre j'ai travaillé dans la mine pendant 40 piges, tu vois. Mais c'est ça. Et j'ai, tu vois. Parce que c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des mains mineures, généralement. C'est ce qu'il fait. Parce que à chaque fois qu'il fait un film, il fait des mains. Il va vraiment au charbon, quoi. Bah, d'ailleurs, apparemment, physiquement, il en chie. Enfin, physiquement, il perd de la masse, il en reprend. Le double à chaque fois, quoi. C'est un mec qui vit ses films de manière assez intense. Pour ne pas dire morbide. On va juste. Non, c'est un mec passionné, effectivement. Ouais, Hellboy 2, c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais monumental. Donc là, après, on se dit, il y a The Hobbit, tout le monde disait ça va être un chef-d'œuvre. Ouais. Il commence à travailler dessus, etc. En plus, The Hobbit, quand tu signais là-dessus, tu signais pour. Il y avait Sam Raimi et lui qui étaient en lice. Et. Il signe pour partir 3-4 ans en Nouvelle-Zélande avec sa famille et tout, c'est ce qu'il fait. Pendant ce temps-là, il produit quand même pas mal de films, parce que faut pas quand même pas oublier que Hellboy, en plus d'être un très grand cinéaste, c'est surtout un énorme producteur, et que durant cette grosse période de flou, on l'a vu surtout produire L'Orphelinat, Mama récemment, Don't Be Afraid of the Dark. Il était producteur sur Splice. Oui, Splice. Oui, mais alors là, c'était vraiment producteur de loin. Exécutif producteur. Oui, mais en fait, il avait donné que son nom. Il est les yeux de Julia aussi en Espagne. Il produit encore beaucoup, beaucoup de films espagnols. Beautiful de Iñárritu. Oui, Beautiful aussi, oui. Alors, à peu près tous les films, même les films d'auteurs mexicains, il a fait un film qui s'appelle Chronicle. Enfin, pas le Chronicle, mais un autre film. Enfin, et puis, alors, il y a des films où il y a vraiment son style Mama ou L'Orphelinat, où on ressent qu'il y a Del Toro derrière et qu'il amène un poulain avec lui, quoi. Et puis il y a des films vraiment où il met juste l'argent, et c'est des films d'auteur plus sérieux, etc., où il veut vraiment juste participer. Et il a fait des films d'auteur très structurés, quoi, qui n'ont vraiment rien à voir avec son style, quoi. Et il a trompé dans la production de plein de films d'animation,
Donc, oui, mais récemment il est devenu producteur exécutif chez DreamWorks. Ouais, donc Megamind, je savais même pas qu'il était dedans, en fait, créatif ouais. consultant, là il était juste consultant. Après, à partir de Kung Fu Panda 2, il est devenu producteur. Exécutif. Ouais, bien sûr, le chapeauté, on avait déjà parlé déjà ouais, du chapeauté. Et le gros truc, c'est vraiment les 5 légendes. Quoi. Ouais, et les 5 légendes, ça. Qui ressemble, hein, qui ressemble oui, bien sûr. À Del Toro. Totalement. Bon, alors. Et donc là, cette... il va faire Kung Fu Panda 3. Est-ce que vous vous rappelez le moment où, en gros, ils ont dit The Hobbit, ça se fera pas? Parce que bon, moi j'ai toujours vu que The Hobbit, quand il a écrit son message là, sur internet pour dire je ne ferai pas The Hobbit, c'était vraiment. On avait quand même l'impression, quand même, parce que 2 mois après qu'il se soit barré, la MGM a filé le fric à Peter Jackson pour faire le film. Ah ouais, il a l'impression que c'était une. On avait l'impression que c'était lui le problème, quoi. Complot, ouais, ouais, il y avait un complot, ouais, voilà, exactement. Ouais, je me souviens, ça devait être en 2000. Parce que ça a été tellement rapide. 2011, je crois. Ouais. 2010, 2011. Ouais. Et tout était bloqué parce que MGM était en faillite hein, total. Même James Bond était en gel, ouais. Totalement. Moi j'étais très déçu parce que je me suis dit, surtout après Hellboy 2, putain mais j'ai péré pour voir la vision de Del Toro sur cet univers-là. Surtout le dragon, t'imagines le visuel que. C'est ça. Alors que Jackson là, il a dit que ça allait être un visuel beaucoup plus classique. Oui, bah si pareil, la grosse engueulade a été sur le dragon. Là ouais. Tout le monde le sait maintenant, il y a eu des visuels qui a été fait par Del Toro qui apparemment étaient absolument hallucinant et tous les partout, avec des lames etc ouais. Mais et tous les artistes ils gueulaient des artistes qui étaient des artistes classiques de la première trilogie qui étaient des mecs très très néoclassiques quoi très oui, c'est les deux conservateurs comme ça, Alan Lee et John Ho et eux ils ont ils ont gueulé comme des malades en disant que c'était pas possible de faire ça quoi et par rapport à Tolkien oui et du coup et il avait même fait l'animation 3D là-dessus et tout a été foutu à la poubelle hein. De toute façon, il reste crédité scénarié sur le premier, même s'il reste plus grand chose de normal. Lui. C'est normal, il a été payé. Il reste plus grand chose de lui, de toute façon. Non, mais ça, il a été payé, ça on le sait, mais bon. Bon, en tout cas, grosse période du désert, et puis juste après, il annonce qu'il va faire Les Montagnes Hallucinées, qui est le projet. De son. Le projet de sa vie, quoi. Le projet qu'on parle depuis des années. Donc, c'est l'adaptation bah, voilà, du roman de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées, qui est un bouquin. Hein, c'est une nouvelle. Oui. C'est un bouquin qui a inspiré pas mal de gens, notamment Alien. Hein. Enfin, c'est un bouquin très très important. C'est le The Thing aussi. C'est le oui, c'est la base du survival horror. Ouais. Voilà. Et quand il dit qu'il va le produire, surprise, il va le produire avec James Cameron, producteur exécutif. Tom Cruise les joue. Mecs et avec Tom Cruise qui joue. Quoi. Produit par Universal qui a produit Hellboy 2. Quoi. Budget 150 millions de dollars. Voilà, donc là on se dit bon, on perd un truc, mais c'est pas grave quoi. On gagne quelque chose de mieux quoi. Mais bon, bah ça s'est pas fait non plus. Non. Pour l'instant, en tout cas. Mais ça a été encore pire. Il avait été c'est encore déchiré, pire, là. Hein. Mais là, c'est vraiment la déchirure. Ouais, parce que tout était fait. Il avait fait les repérages et compagnie. Ça a été vraiment un gros bordel hein, dans sa tête, apparemment. Mais en fait, Universal a dit non parce que ils disaient faire un film d'horreur. Avec un tel budget Rated R, c'est-à-dire pour adultes. Quoi, est-ce que tu peux répéter ce que tu as Rated R. Ok, d'accord. Rated R. Rated PG-13. D'accord. C'est un talent qui fait la radio, donc, ça y est. Rated R, si vous voulez. Donc, ça veut dire interdit. Moi, j'appelle ça Rated R. Rated R, si tu veux. Interdit au moins de 17 ans non accompagné, ça veut dire. 150 millions de dollars, non. Non, c'est trop. C'est une facture qui est trop salée, c'est une prise de risque qui est trop énorme. En plus de ça, il y a un certain Ridley Scott qui est en train de faire ouais, un film c'était, après, ouais. Qui s'appelle Prometheus. Et ils se sont dit, bon, ben, on ne va pas faire le même film, donc on le fait. Oui, parce que Prometheus, c'était très proche en termes de... Même si apparemment, finalement, ça va, quoi. Mais Del Toro a été dégoûté parce qu'on dit... Oui, il avait vu le scénario et il avait dit, en gros... Après, Prometheus est sorti. Alors, le pire, c'est que Prometheus, c'était la Fox. Et que, parce que tout le monde a dit, mais attends, James Cameron, il venait de sortir d'Avatar, mais il n'a qu'à racheter les droits. Et ouais, en fait, l'horreur, c'est que Universal... parce que James Cameron avait essayé de racheter les droits des Montagnes Hallucinées et Universal ne voulait pas. En fait, Universal voulait garder les droits, ils ne veulent pas que le film se fasse. Si le film se fait, c'est avec eux. Si, mais ils veulent qu'il soit fait pour pas cher, en fait. Oui, mais James Cameron a une manière de procéder qui est très bizarre, c'est qu'il ne tient pas compte des ayants droit d'une propriété et en fait, il veut à chaque fois que la Fox rachète. Oui. Genre pour Spider-Man, il voulait que la Fox rachète les droits. Pour qu'il puisse le faire à la Fox. Mais Cameron ne bosse qu'avec la Fox. Et à chaque fois, il demande à la Fox de racheter des trucs, alors que la Fox est là, mais genre, non, c'est, quoi. C'est pour pas avoir de lien avec les ayants droit, pour pas que. Bah, si tu veux, c'est pour avoir les coups des franches. Cameron est boîte, là, ouais. Il sait qu'il est tranquille. Il va voir les mecs de la Fox, il a dit voilà, il faut que vous rachetez ça, et la Fox est là, mais non. Et les mecs, genre Universal, va dire mais on le vend pas.
Ouais, ouais, c'est ça. Et lui, il fait non, mais il faut. Et lui, et James Cameron voulait racheter les montagnes hallucinées. Il a... Mais non. Eux, ils disent, mais on préfère faire de la merde avec un jeune réal qui fera le film que vous le donnez à Del Toro. On s'en fout que ça soit ton projet fétiche, on s'en bat les couilles. Mmh. Et c'est un peu ça ce qui s'est passé. Parce qu'il a dit lui-même qu'il était même pas sûr que le film soit Richie d'ailleurs. Il était même pas sûr. Il disait que je veux pas prendre le risque. Parce que en plus, parce que ça peut poser problème. N'était pas rated R. Et il a dit, je ne préfère pas faire le film plutôt que de me travestir et de faire une version à moitié satisfaisante. Quoi. Mm. Mais il a dit, par contre, je le ferai. Quoi. Il a dit, je le ferai. Je crèverai, mais je le ferai. Ouais, on verra. Bon, en tout cas, quand il a fait ça, c'était un peu la fin des haricots. Tu peux ? Magique. Ouais, c'est ça, la fin des haricots magiques. Non, mais c'est vrai que... Ça faisait beaucoup de mois quand même. En termes de production, enfin. Ouais. Disons que lui, oui, tu le voyais en termes de production, il produisait beaucoup. Il était dans toutes les news hebdomadaires, quoi. C'est vrai que c'est assez marrant, c'est qu'on n'a jamais autant entendu parler d'El Toro ces dernières années. Alors qu'il n'a rien fait. Alors que c'est le moment où il a fait le moins de films, quoi. Ouais. Enfin, qu'il n'a pas, en tout cas, réalisé, lui-même. Et lui-même, il a dit que c'était vraiment une période horrible. Hein. Il a dit que. Il dit qu'au moment où il a passé les premières images de Pacific Rim à Comic-Con américain. De San Diego, il a dit qu'il avait une pression de malade, quoi. Parce qu'il se sentait vraiment, vraiment mal, quoi. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas fait. Il n'avait pas réalisé. Il dit que Pacific Rim est le film le plus important maintenant de sa carrière, parce que c'est le film où il est revenu et il a, il s'est remis en selle. Le film le plus important avant le prochain. Bah, ça va dépendre, c'est quoi le prochain. Bah, non, je pense que c'est le film le plus important dans le sens où il était. Je sais pas s'il s'est demandé s'il allait pas revenir ou pas. Hein. Franchement, il avait l'air. Il y a ça, parce qu'il revient après 5 ans, le mec, et il revient surtout avec son plus gros budget, quoi. Oui. Il revient avec un blockbuster entier, hein, là. On parle pas d'un film comme Hellboy. Qui... original, voilà. Donc, qui ne s'appuie pas sur des bases. Qui s'inspire d'un truc, mais qui n'est pas franchisé. Voilà, c'est ça. Donc, à la base, comme il produisait beaucoup. Il faut amener des fans. Comme il produisait beaucoup. Ouais, tu fais VRP, là. Il était sur plein de films à ce moment-là. Il était sur la Maison Hantée de Disney. Il est toujours d'ailleurs. Mais je crois vraiment qu'il va pas le réaliser. Ça, on sait pas encore. On sait qu'il le produit pour l'instant. Il était sur la série télé Hulk fait par Marvel. Il était sur les livres parce qu'il avait quand même eu le temps d'écrire 3 bouquins durant Hellboy 2. Quel gros là. Avec le putain, je sais pas comment il fait avec Chukogan. Ouais, qui est le celui qui avait fait The Town, là qui avait été adapté par Ben Affleck. Une série de vampires qu'il voulait faire en série télé à la base. Et en fait, il a repris la Bible de la série télé et il l'a transformée en roman. Ce qui est génial, c'est que maintenant, ça redevient une série télé. Et donc, du coup, on le voyait quand même beaucoup. Quoi. Et Pacific Rim était un de ces films qu'il devait produire seulement à la base. Et en gros, il a été, ça ne s'est pas fait. Et la semaine d'après, il a appelé, il a dit « C'est bon, je le fais moi. » Ouais. Je réalise un truc. Ouais. Et là, t'avais l'impression qu'il a fait le film très rapidement, hein, finalement. Ouais, en 2 ans, c'était bouclé. Hein. Ouais, en 2 ans, c'était bouclé. Donc finalement, ça n'a pas été très long, quoi. C'était long, c'est la période d'avant. Voilà. On a déjà parlé de Pacific Rim dans la sortie de Projo. Donc si vous voulez voir Pacific Rim, enfin notre critique réelle de Pacific Rim, c'est dans la sortie de Projo, qui est diffusée exclusivement sur YouTube. Donc, où on parle tous les trois, puis aussi Fabien a parlé dans le Tokuscope. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne de YouTube. Vous pouvez vous abonner parce qu'il y a moins de gens. On réévoque 2 secondes Pacific Rim. Comment vous la sentez maintenant, la carrière de Del Toro, après avoir vu le dernier film? Bah, c'est un petit peu dur de le dire parce que là. Par rapport au box-office, voilà, il y a pas mal de trucs. Actuellement, le film démarre tranquille, mais il faut voir. Faut voir ce que ça va donner. Si le film marche, je pense que lui-même, ça va lui permettre de réaliser des projets qu'il a envie et de débloquer certains trucs, notamment peut-être les montagnes hallucinées. Parce que si Del Toro devient le réalisateur de Pacific Rim, c'est-à-dire le réalisateur d'un succès franc, c'est cool pour lui. Après, là, je sais qu'il va faire Crimson Peak, qui va lui permettre de refaire quelque chose. Et un film gothique d'autres un peu plus léger. Un peu plus modeste. Avec Jessica Chastain, qui joue dans Mama. C'est cool, ça. Ouais. Cumberbatch, tout ça. Cumberbatch, il joue, non? Ouais, je crois. Non, Cumberbatch, il a dit qu'il le voulait pour le Frankenstein qu'il veut faire. Mais je crois qu'il est dans Crimson Peak. Peut-être. Il y a un gros casting. Cumberbatch, ouais. Charlie Hunnam. Il va le tourner bientôt, en plus. Hein, Mia Wasikowska aussi. Oui. Qui remplace Emma Stone. C'est pas un plus mal. Donc, non, ça va être un truc sympa. Mais il faut revenir sur ce type de film. Je pense qu'à chaque fois, quand il fait un énorme film, après, il a besoin de se ressourcer, de faire un peu plus petit.
ce qui est très bien. Et puis juste après, il a la série télé The Strain à faire. Là, quand même, il doit faire le pilote. Mais il a été annoncé pour Monster. Il a 4 vies, 5 vies. Il ne pourra pas tout faire de tout ce qu'il dit. Parce que non, il y a les producteurs. Je pense que c'est fait exprès. On passe sur autre chose. En fait, je pense que c'est fait exprès. C'est-à-dire que je crois qu'il. Del Toro est un mec, c'est pas James Cameron. Il peut pas dire je veux faire ça et il le fait. C'est un mec qui a jamais réussi à percer dans le grand public et je suis pas sûr que Pacific Rim le fasse parce que les premiers chiffres sont pas top et le mauvais buzz qui a été fait aux États-Unis avec toutes ces histoires de variety sur c'est vraiment catastrophique. Et donc je suis même pas sûr qu'il arrive à faire autre chose. Enfin, en tout cas, on lui souhaite le meilleur. On espère qu'il va faire Hellboy 3, on espère qu'il va faire tout ça. On t'a halluciné. La meilleure nouvelle, c'est pas le fait que Pacific Rim est un échec, mais la meilleure nouvelle, c'est que Legendary Pictures est avec lui et que Legendary Pictures est passé un pacte avec Universal. Donc là, on rentre dans les trucs business à la con. Non, un pacte. C'est un contrat. C'était pas moi, j'appelle ça un pacte. C'est pas le Universal, pour moi, c'est le diable. Donc ils ont passé un pacte avec. Non, d'accord. Ils ont passé un contrat avec Universal. Ce qui est exceptionnel parce que les gens de Legendary Pictures, ils travaillent avec Warner que depuis tout le temps. Ouais, mais ils quittent Warner. Donc c'est énormément. C'est grosse news, quoi. Et on espère que dans le contrat d'Universal, il y a peut-être cette idée que. De peut-être nous faire un petit Hellboy 3 ou nous faire un petit Montagnes Hallucinées. Bien sûr, parce que de toute façon. Universal qui l'a laissé faire ce qu'il voulait sur Hellboy 2. Oui, donc, mais là, ce qui est intéressant, c'est que plus. C'est Legendary Pictures qui est une boîte de faisabilité d'idées immense. Je pense que ça peut très très bien se passer. Il suffit juste que Pacific Rim se rentabilise. Qui est loin d'être. Qu'il offre une petite piscine à un ou deux producteurs en plus. Comme ça, tac, voilà, il aura un bon buzz en quelques interne. Quelques putes et une piscine. Voilà, c'est ça. De toute façon, plus tu as de partenaires, plus les risques sont divisés et plus c'est mieux pour lui. Voilà, généralement, c'est différent. Plus tu as de partenaires, plus tu as de risques. Ça dépend si tu mets des capotes. Oui, c'est ça. Si tu as plus de risques, si tu marches trop. C'est ce qui s'est passé avec Warner et Legendary. Oui, d'accord. Alors là, il y avait un double sens. Oui, d'accord. Plus il y a de partenaires, plus tu as de risques. Oui, c'est d'accord. Voilà, non, mais bon, bref. Plus t'as de risques de doigts dans le cul, et ça, c'est pas très agréable. Ah, ça, c'est des partout, ça, c'est différent. Bah, plus de partenaires. Oui, d'accord. Oui, en fait, t'en as beaucoup, là. Je parlais de ça, moi. Tu comptes plus, là, à ce moment-là. Okay, voilà. Bon, on va se retrouver dans quelques temps. Il va y avoir une séance du feu, je pense, qui va arriver après. Ouais. Oui, est-ce que tu. Qu'est-ce qui se passe après? Après, on a le retour des commentaires. Oui, on a le retour des commentaires. Donc, on espère que vous allez pas mal parler. Commenter. Vous pouvez même chier sur Philippe. En plus, il est pas là. D'ailleurs, il est aux toilettes. Et puis, oui, voilà. Commentez. Dites-nous ce que vous en pensez. Et comme ça, on fera. Dites-nous ce que vous avez pensé de Pacific Rim. On conclura. Et dites-nous aussi ce que vous avez pensé de Pacific Rim. On pourra revenir un peu dessus. Et si vous trouvez qu'on a oublié de dire des choses sur Del Toro. Oui, sur Del Toro, des trucs qu'on a sûrement oublié. On n'a pas parlé de toutes ses productions parce qu'on n'a pas. On n'a pas le temps, on n'a pas assez de cartes, mais on pourra en revenir dessus. On n'a pas parlé de Justice League Dark. Oui, c'est vrai. Bah, il y a des projets, il y en a plein. Hein, donc, très bien. Bon, en tout cas, on espère que vous avez bien aimé ces deux émissions. On espère que vous aimez bien le concept. Dans tous les cas, on attend vos commentaires sur iTunes, YouTube. Il y a quoi d'autre? Cinefuzz.fr et plein d'autres trucs. Voilà, passez un bon été. Nous, on se retrouve pour une nouvelle émission où on parlera d'un nouveau réalisateur. Et puis, pour des émissions un peu plus spécifiques où on reviendra justement sur vos commentaires. Et puis. Max Pécas le prochain. Ouais, Max Pécas, c'est pas mal. J'aime bien. Une spéciale Louis de Funès aussi, on fait pas assez d'acteurs. Très bien. Allez, au revoir. Bonne journée, bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Bye.